Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on déballe ensemble un nouveau smartphone, voici le Umi Umax. On est là sur un packaging plutôt classe et très sobre. Pour l'ouvrir, on slide cette partie là vers la droite. On soulève ça comme ça. À l'intérieur du package, on va retrouver plusieurs choses. D'abord un câble USB vers micro USB, un adaptateur USB vers micro USB. Je sais pas bien quoi ça va pouvoir nous servir, mais bon, c'est pas grave. Et on a un adaptateur secteur. De l'autre côté, on tombe sur le smartphone, mais avant de s'y intéresser, on va prendre ce qu'il y a en dessous, à savoir une notice d'utilisation. Le smartphone, quant à lui, le voilà. Voilà à quoi il ressemble. En dessous, le plastique. On retire rapidement les films qui l'entourent aussi. Côté design, on est sur un smartphone tout en plastique, mais on dirait presque de l'aluminium. Presque. Pour l'allumer, c'est par là que ça se passe, et quelques secondes plus tard, on va pouvoir commencer la configuration, en commençant donc par sa langue, son réseau Wi-Fi, on autorise ou pas la localisation, on règle la date et l'heure, et voilà, la configuration est désormais terminée, on arrive sur l'écran d'accueil du Umi Umax, je vous le rappelle. On est là sur un smartphone grand, qui peut paraître un petit peu démodé à cause du design de ses icônes, étant donné qu'il tourne sous Android KitKat 4.4.4. Bien évidemment, on va voir pourquoi dans mon test complet, pourquoi ils ne l'ont pas fait passer sous Lollipop. C'est un mal pour un bien finalement, je pense, mais en tout cas pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt fluide. Ouais, franchement, vraiment fluide, hein. Voilà les amis, pour mon déballage du Umi Umax, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce smartphone et s'il vous intéresse ou pas. Si vous voulez vous le procurer, tous les liens dont vous aurez besoin sont dans la description. En attendant mon test complet, passez une très bonne journée. Tchou !